اللي انا تخطط وقطعته منه. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, 6 djihadistes tués, 16 islamistes présumés arrêtés. L'opération spéciale de l'armée contre l'État islamique à Ersal se poursuit. Les terroristes s'apprêtaient à attaquer des postes militaires et à commettre des enlèvements. Réunion mensuelle des évêques maronites, les prélats ont estimé que les dialogues entre les forces politiques ne seront efficaces qu'au Parlement, appelant à l'élection d'un chef de l'État dans les plus brefs délais. Et le régime de Damas et l'opposition se tournent le dos pour l'instant à Genève. Les opposants à Bachar el-Assad dénoncent l'offensive militaire dans la région d'Alep. Opération de l'armée libanaise contre l'État islamique à Ersal, dans la Bekaa, à la frontière syrienne. L'institution militaire parle d'une opération spéciale contre une cellule terroriste qui s'apprêtait à attaquer des postes militaires et à commettre des enlèvements. Bilan provisoire, 6 djihadistes tués et 16 islamistes présumés arrêtés, dont un commandant de l'organisation terroriste. Cette opération de la troupe intervient alors que les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre l'État islamique et le front al-Nosra dans les zones reculées d'Ersal. Je vous le disais en titre, réunion mensuelle des évêques maronites, c'était ce midi à Pkarki, sous la présidence du patriarche Rahi. Les prélats ont estimé que les dialogues entre les différentes forces politiques ne seront efficaces qu'au Parlement. Pkarki, qui a récemment salué le soutien du chef des forces libanaises, Samir Jaja, à la candidature de Michel Aoun à la présidentielle, appelle les parlementaires à se rendre au Parlement et à élire un nouveau président dans les plus brefs délais. Les députés du 8 mars à Aïn-et-Tiné, comme chaque mercredi, ils ont rencontré le chef du Parlement pour un tour d'horizon des derniers développements sur la scène locale. Nabih Berri a salué le déblocage par le gouvernement de 31 milliards de livres libanaises de financement pour l'organisation des élections municipales. Il s'est ainsi félicité de la reprise normale de l'activité gouvernementale, souhaitant une reprise des séances législatives. Cela fait plus d'un an que la Chambre n'a pas légiféré en raison de profondes divisions entre les partis politiques. Les représentants du régime de Damas et de l'opposition syrienne se tournent le dos pour l'instant à Genève malgré le lancement officiel des négociations de paix. L'opposition refuse de rencontrer l'envoyé spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura. Il dénonce l'offensive militaire conduite actuellement par les forces syriennes, notamment dans la région d'Alep. Le récit de Julien von Schuli. Avis de mauvais temps sur Genève. Les négociations sur la Syrie sont ouvertes depuis lundi, mais toujours pas de délégation de l'opposition en vue. Réunie au sein du Haut Comité des négociations, elle hésite à s'asseoir face à son ennemi. Elle demande avant tout l'arrêt des bombardements de l'aviation russe. Car depuis 4 mois, l'allié du régime multiplie les interventions, comme ici, à Alep. Depuis lundi matin, la ville a été la cible de près de 300 frappes. Malgré le statu quo, certains membres du HCN gardent espoir. Nous restons positifs. Nous allons rencontrer l'émissaire de Mistura aujourd'hui et nous allons tout faire pour les Syriens qui ont besoin de nous. De leur côté, les représentants du régime syrien sont arrivés mardi en Suisse. Ils estiment être en position de force compte tenu de leur victoire de plus en plus nombreuse sur le terrain. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, la lutte contre le virus Zika s'organise ce mercredi. Les représentants de 14 pays d'Amérique latine se réunissent à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, pour coordonner leur réponse face à l'épidémie. 3 à 4 millions de cas sont attendus cette année sur tout le continent. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié la situation d'urgence internationale. Un cas de transmission sexuelle du virus Zika a été confirmé au Texas. Natacha Vesnich. Le virus Zika sexuellement transmissible. Les autorités sanitaires de Dallas ont annoncé le cas d'une personne qui n'a pas voyagé mais qui a été contaminée par son partenaire qui lui était allé au Venezuela. Jusqu'à maintenant, ce virus était dans la grande majorité des cas transmis par une piqûre de moustique de genre Aedes. Avec le virus Zika, nous ne savons pas combien de temps la personne est contagieuse. Mais dans ce cas précis, l'individu venait juste de tomber malade et son partenaire sexuel a développé le virus sans avoir voyagé.
C'est donc une nouvelle inquiétante pour les États-Unis, le Canada ou encore l'Europe, où Zika a jusqu'à maintenant uniquement touché les personnes revenant des zones où le virus sévit. Ça change la donne. Maintenant, nous parlons d'un virus sexuellement transmissible et c'est inquiétant, car 80% des personnes infectées par le virus Zika n'ont aucun symptôme. Ce virus Zika serait particulièrement dangereux pour les femmes enceintes car il provoquerait une microcéphalie, une malformation congénitale dont souffrent les enfants nés avec un cerveau anormalement petit. Les pays d'Amérique latine et notamment le Brésil, qui compte près d'1,5 million de cas, sont très touchés. Mais la Thaïlande, l'Indonésie ou encore le Cap-Vert ont également annoncé l'apparition de cas domestiques. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une urgence de santé publique et de portée mondiale. Pour l'instant, il n'existe pas de traitement, mais le laboratoire Sanofi Pasteur a annoncé se lancer dans la recherche d'un vaccin. On l'a appris il y a quelques instants, selon la chaîne Qatari Al Jazeera, le représentant spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura, rencontre en ce moment même l'opposition syrienne à Genève. La lutte contre, donc, après 6 semaines de blocage institutionnel, au terme de législatives très serrées, une brèche s'est enfin ouverte en Espagne. Le roi a officiellement proposé au socialiste Pedro Sanchez de former un gouvernement d'ici début mars, après l'échec de son rival de droite, le sortant Mariano Rajoy, qui n'a pas obtenu les soutiens nécessaires. Sanchez, un professeur d'économie de 43 ans, a assuré qu'il dialoguerait avec toutes les forces politiques. Il a cependant annoncé dès le départ qu'il n'était pas disposé à s'allier à la droite au pouvoir depuis fin 2011, très impopulaire pour ses mesures d'austérité. Le Royaume-Uni et l'Europe sont-ils en passe de finaliser un accord pour éviter le Brexit? Le Premier ministre britannique David Cameron se montre satisfait du texte de compromis présenté par Bruxelles, mais rien n'est encore joué. Il devra notamment convaincre les eurosceptiques farouches de son propre camp. Natacha Vesnitch. La séance à la Chambre des communes s'annonce houleuse pour David Cameron. Le Premier ministre doit détailler aujourd'hui le projet d'accord proposé par Bruxelles pour éviter un Brexit. Mais les questions des parlementaires ne devraient pas l'épargner. À l'image de la une du Daily Express ce matin avec ce titre, l'accord européen de Cameron est une blague. Les critiques des eurosceptiques devraient fuser. Les propositions faites par le Premier ministre dans le cadre de ces négociations n'ont pas de substance. Il parle d'une Union européenne réformée, mais il n'y a aucune réforme. C'est juste une reformulation du statu quo. David Cameron doit aussi convaincre l'aile eurosceptique de son propre parti, à l'instar du charismatique maire de Londres. Boris Johnson ne s'en cache pas. Les propositions de Bruxelles sont pour lui largement insuffisantes. Je pense que le Premier ministre est dans une situation très compliquée, mais il joue avec une exceptionnelle habileté. Pour ma part, je ne pense pas que le système de carton rouge soit suffisant. J'ai quelques doutes là-dessus et je voudrais voir plus de progrès. Ce système de carton rouge est censé donner plus de souveraineté aux États membres sur décision de 55% de l'ensemble des parlements nationaux. Des projets de loi de l'Union européenne pourront en effet être bloqués. Voilà l'une des propositions de l'accord proposé par Bruxelles et qui sera présentée au 28 lors du prochain sommet européen les 18 et 19 février. En attendant, David Cameron devra tenter de convaincre les Britanniques que cet accord est suffisant pour éviter un Brexit. Faut-il que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne ? La question leur sera posée lors d'un référendum qui pourrait avoir lieu en juin prochain. Dans le reste d'actualité, Séoul, Washington, Tokyo, Pékin, le monde est inquiet. La Corée du Nord prévoit de lancer une fusée porteuse d'un satellite. Elle a averti l'ONU que cette opération aura lieu entre le 8 et le 25 février. Mais la crainte que ce soit en réalité un missile balistique effraie sa voisine en premier lieu, la Corée du Sud. Elle y voit pour le régime de Pyongyang un nouveau pas vers son objectif de se doter de missiles nucléaires. Le 6 janvier, Pyongyang a annoncé un 4e test de bombe nucléaire, de quoi déstabiliser ses voisins comme le Japon qui a installé, vous le voyez, des batteries antimissiles. Tokyo qualifie ce projet de sérieuse provocation. Après le vote de lundi en Iowa et la victoire étriquée d'Hillary Clinton, c'est au New Hampshire que se poursuit la course aux primaires présidentielles américaines. Le vote aura lieu le 9 février, mais tous les candidats ont déjà fait le déplacement. L'ancienne secrétaire d'État de Barack Obama va devoir batailler ferme face à l'autre candidat démocrate, Bernie Sanders, qui n'a pas caché lundi soir son plaisir d'avoir mis en sérieuse difficulté la candidate de l'establishment, Noémie Roche. Devant ses partisans de Nashua, Hillary Clinton se veut confiante. Après sa victoire de justesse lors des caucus de l'Iowa,
La candidate démocrate compte bien remporter la toute première primaire du pays. Levez-vous pour moi, battez-vous pour moi. Et lorsque je gagnerai, je me lèverai et je me battrai pour vous. Mais la bataille s'annonce difficile pour l'ancienne secrétaire d'État. Car dans le New Hampshire anti-establishment, c'est Bernie Sanders qui est en terrain conquis. Sénateur de l'État voisin du Vermont, son rival dispose d'une avance confortable dans les sondages. Merci, merci beaucoup. J'arrive de l'Iowa où nous avons surpris le monde entier. Et ici, dans le New Hampshire, nous allons recommencer. Côté républicain, Ted Cruz, renforcé par sa victoire surprise dans l'Iowa, rêve désormais de faire coup double. Et pour cela, il n'hésite pas à flatter son auditoire. Vous avez bien compris que des millions d'Américains comptent sur vous pour tester les candidats. Pas pour écouter des discours stériles, pas pour entendre des promesses de campagne, mais pour nous regarder dans les yeux et déterminer qui dit la vérité et qui parle pour ne rien dire. Jusqu'ici favori des sondages, Donald Trump est quant à lui sorti affaibli des caucus de l'Iowa. Mardi prochain, les regards seront donc tournés vers lui, mais aussi vers celui qui a créé la surprise en talonnant Donald Trump, Marco Rubio. Jetons un coup d'œil à présent sur le Festival du cinéma européen. Il se termine samedi. 36 films au total sont projetés depuis le 26 janvier au Centre Sophie, à Achrafieh. Comédie, drame, thriller, tous les genres et les pays du vieux continent sont représentés. Hier soir, c'est un documentaire de la Britannique Candida Brady qui était projeté avec un thème brûlant d'actualité, celui des déchets. Le film nous montre comment les plus beaux sites de la planète sont contaminés par les ordures, mais il présente aussi tout un éventail de solutions comme le recyclage et le tri à la source. La soirée s'est poursuivie par un débat en présence d'activistes, d'ONG, mais aussi de représentants du gouvernement et bien sûr du public. On écoute quelques réactions au micro de Philippine, de Clermont-Tonnerre. C'est ça, c'est pour cela que dans ce film, les solutions sont superbes. C'est dream, on rêve de ces solutions. Bien sûr que ça évoque tous les problèmes qu'on a actuellement au Liban et tout ce qu'on a enduré tout cet été et qui continue, on n'a toujours pas résolu le problème. Donc oui, c'est tout à fait d'actualité pour nous. Quelle est la solution à votre avis? À mon avis, tant que ça reste mêlé à la politique, il n'y a pas de solution de sitôt. Comme on a vu tout à l'heure dans le film et qu'on entend tous les experts au Liban dire, on a des capacités au Liban pour trier les déchets, pour retraiter les déchets, une partie de ces déchets-là. Et malheureusement, le gouvernement n'a aucune volonté politique. Il n'y a aucune volonté politique pour faire une solution permanente et environnemental pour les déchets et économique aussi, parce qu'au final ça va coûter au Liban 600 millions de dollars alors qu'en appliquant en appliquant ce que nous préconisons, ça pourrait rapporter au Liban de l'argent plutôt que lui coûter. Fin de cette édition, le rappel des titres. 6 djihadistes tués, 16 islamistes présumés arrêtés, l'opération spéciale de l'armée contre l'État islamique à Ersal se poursuit. Les terroristes s'apprêtaient à attaquer des postes militaires et à commettre des enlèvements. Réunion mensuelle des évêques maronites, les prélats ont estimé que les dialogues entre les forces politiques ne seront efficaces qu'au Parlement, appelant à l'élection d'un nouveau président. Et le régime de Damas et l'opposition se tournent le dos pour l'instant à Genève. Les opposants à Bachar el-Assad dénoncent l'offensive militaire dans la région d'Alep. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. Le Maroc est le plus important.